Alors aujourd'hui, on a assisté à un beau match donc, de P4, hein, RFC Huyerzien contre Anvin. Le résultat n'est pas favorable pour Anvin, mais malgré tout, quelles sont vos impressions d'après-match? Je dirais qu'au vu de l'ensemble du match, le score est logique. Donc, je dirais que Huyer a mérité amplement sa victoire et a montré probablement un peu plus d'envie, un peu plus de caractère sur ce match. C'est vrai que le terrain probablement pas très facile. Je dirais que nous, on a peut-être été un peu en dessous de nos qualités. Et Huyer a réussi à en profiter. On peut quand même dire que c'était un match de haut niveau, malgré que ce soit une P4. Disons, là où on était quand même surpris, c'est malgré le terrain, les deux équipes ont quand même essayé de jouer au football. C'est sûr, pour moi, tant Huyer que nous, je crois qu'on mériterait peut-être de monter et d'aller chercher cette P3. Mmh. Et c'est sûr que ces deux équipes-là auraient plus facile à évoluer en P3 qu'en P4. Un grand merci. Voilà, je vous en prie. Bon, alors Franck, aujourd'hui, une très grande victoire de Huyer contre Anvin, avec l'art et la manière. Quel est ton sentiment après match? Heureux, franchement. Si on nous avait dit ça au début du match, Anvin, on avait eu beaucoup de mal à l'aller, très belle équipe. Et aujourd'hui, je pense que le score de 3-0 est logique. Toute l'équipe a été très très bonne. Rien à reprocher à aucun. Match parfait, match parfait. Je me trompe ou j'ai vu 3-1 moi? 3-1, on a pris un but. On a pris un but en fin de match, mais on l'a oublié. C'est juste. Mais bon, victoire entièrement méritée, on peut le dire. Ouais. Je crois que là, tous les gens vont être unanimes. Même le coach adverse l'a dit que c'était victoire méritée. Voilà. Un grand merci en tout cas. Et bravo, bravo à l'équipe. Bravo à toutes les P4 et bravo au staff. Merci à vous. Merci. À vous. Merci. Alors Cyril, résultat sans appel. 3-1 pour Huyer. Et toi, tu mets le deuxième but. Donc quelles sont tes impressions? Bon, on a fait une belle performance, c'était un match d'homme aujourd'hui. On n'avait rien à perdre, on venait ici, il joue le titre. On n'a rien à perdre, il nous manquait 4 points pour aller au tour final. On prend 3 points aujourd'hui, il nous reste 5 matchs. Petit à petit, on verra bien à la fin de saison ce qui nous arrive. Ça peut le faire? On peut se mettre à rêver de voir Huyer en P3? Nous, on va le jouer. Si on joue le tour final, on va jouer à fond. On avait 2 ans pour le faire, si on le fait en 1 an, c'est super. Et bravo, et encore bravo pour le spectacle. Merci. Merci.